Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Chata Koné, conceptrice présentatrice de l'émission Selfie People Show, en abrégé SPS. Alors aujourd'hui, nous serons avec quelqu'un. Il est beau, il est fort et il est surtout talentueux. Alors dès à présent, accueillons avec nous Mohamed Kofi, joueur international en Égypte. Alors Mohamed Kofi, parle-nous un peu de comment est-ce que tu as débuté ta carrière footballistique. Salut à tous, moi c'est Mohamed Kofi, d'origine ivoire au Burkinabé, jouant pour l'équipe nationale du Burkina Faso. Je suis arrivé au foot grâce à mes aînés qui jouent au foot. Depuis tout petit, je suivais mes aînés dans les différents stades. C'est moi qui attrapais la paire des mags. Et c'est là la passion a grandi en moi un peu. Et voilà. Grâce à eux, je suis arrivé là aujourd'hui. J'aimais le foot depuis tout petit et c'est eux-là qui m'ont forcé, qui m'ont donné l'envie encore plus d'avancer dans le foot, de persévérer dans le foot. Donc voilà. Alors Mohamed Kofi, on aimerait également savoir dans quel club évolues-tu également aujourd'hui et quelle est alors la position que tu occupes? Présentement, j'évolue dans le club de Smorha Sporting Club, basé en Égypte, précisément à Alexandrie. Je suis présentement sixième du championnat. J'évolue au poste de défenseur central. Alors Mohamed Kofi, quelle a été ta plus grande victoire footballistique jusqu'à ce jour? J'ai eu beaucoup de victoires dans ma carrière footballistique. Mais j'ai gardé une victoire comme souvenir. 2014-2015, j'ai été champion du championnat égyptien. Et dans la même année, j'ai remporté la Coupe de l'Égypte. Et dans la même année, j'ai été nommé meilleur étranger du championnat. Et dans la même année, j'ai été le meilleur défenseur du championnat. Et dans la même année, j'ai été nommé pour le trophée du meilleur africain, du meilleur joueur africain. J'étais parmi les 20 nominés. Mohamed Kofi, tu nous parleras bien évidemment de ton plus grand échec au football jusqu'à ce jour. Mon plus grand échec dans le foot, c'était lors de la finale de la Coupe d'Afrique 2013. Face au Nigeria en Afrique du Sud. Nous avons perdu les âmes dans la mer. Nous avons perdu 1-0 contre le Nigeria. C'est mon plus grand échec. Je ne pourrai jamais oublier. Mohamed Kofi, parle-nous de tes projets. Projet, j'ai beaucoup de projets. Mais je travaille sur ce projet. Je suis désolé de ne pas l'évoquer ici, mais bientôt, tout le monde saura quels sont les différents projets de Mohamed Kofi. Mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes footballeurs de retenir cette phrase. Le football est une profession qui exige le courage et la patience pour espérer le bonheur. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci à tous et au revoir. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour un prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Selfie People Show. Bye bye.